aujourd'hui, on commence un nouveau vlog. Ça fait un petit bout, j'ai pas filmé, là, je suis désolée. La maison est en bordel. J'allais vous dire, c'est parce que je suis dans le jus à cause de la job. Mais là, je suis en congé. Fait qu'on va avoir plus de temps. Non, je suis pas tout nue, là. Je suis en top de sport parce qu'il fait extrêmement chaud dehors. Puis là, faut que j'aille marcher brousse. Fait que c'est ça. Mais je vais sûrement mettre une camisole, là. Mais bref. Fait que c'est ça, je vais vous emmener avec moi là, on va faire un petit update de travaux parce que là on commence bientôt des travaux dans notre cour et je suis bien gros stressée, ça m'angoisse, bien raide. C'est quand même des gros travaux, c'est des gros investissements, fait que on veut juste être sûr que tout soit top notch, puis là, ça m'angoisse. Là on est vendredi le 20 août, j'ai terminé de travailler hier soir à minuit. J'ai dit bon matin, hein, mais il est presque 1 h. C'est gênant, là. Je me suis levée vraiment tard, là, genre à 11 h. J'étais brûlée bien raide. J'ai fait un double. Dans le fond, j'ai travaillé comme une nuit après un soir au courant de la semaine. Puis on dirait que ça m'a cassé bien raide, là. Je puis là, pantoute. Cette semaine, on a beaucoup trop travaillé, là. Mon chum, il a fait un chiffre de 21 h. C'est non, là. Je voulais vous montrer un colu. Là, oui, ça va bien. Un colis qu'on a reçu, je suis tellement excitée, là, je ne l'ai pas essayé encore. C'est un presse tofu. Les gens qui mangent du tofu comprendront. Du tofu, là, pour que ça soit bon, il faut comme que tu sortes le jus qu'il y a de ça. Parce que c'est comme mariné. Non, c'est pas mariné. C'est. Comment je pourrais dire ça? Ça reste dans du liquide là, pour la conservation puis tout. Puis. Si tu veux l'assaisonner et que ça soit bon, là, faut que tu l'écrases et que tu le sortes le jus de ça. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a acheté parce que c'est ridicule. Là. Quand on veut l'écraser, il faut comme l'envelopper dans des essuie-tout, le mettre dans un linge à vaisselle, trouver de quoi de lourd, on trouve jamais rien de lourd pour le mettre dessus. Fait que bref, c'est fucking compliqué, mais là, on a trouvé peut-être un gadget qui va changer nos vies. Je vais vous montrer comment c'est censé marcher. Je pense que je vais l'essayer aujourd'hui. Je pense qu'on va manger du tofu aujourd'hui. Ça se passe. Ça se passe. Fait que ça ressemble à ça. C'est comme deux palettes, là. Tu mets ton tofu entre les deux palettes. Puis ça, faut comme ça, tu peux le descendre puis le monter. C'est pour le serrer, pour faire une pression, dans le fond. Puis j'imagine qu'on va mettre ça genre au-dessus d'une assiette, là. Mais j'ai bien hâte de voir. On a acheté ça sur Amazon. À suivre. Oh ouais, je pense que je l'essaie aujourd'hui. Je pense qu'on va manger du tofu. Je suis venue dans le sous-sol parce que je voulais vous montrer quelque chose. Je suis tellement excitée, ok? C'est vraiment niaiseux, là, vous allez vous dire, elle est complètement folle, là. Mais j'ai commencé à acheter des décorations pour l'Halloween, ok? Puis moi, l'Halloween, c'est genre vraiment un big deal. Dans le sens que c'est ma fête préférée. L'automne, j'adore ça. Moi, décorer pour l'automne, je trouve ça tellement beau. Genre, j'adore. Fait que là, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté chez HomeSense. Ça doit faire une semaine ou deux. C'est pas encore sorti, là, toutes les décorations pis tout. Mais ça commence tranquillement, pas vite. Fait que je compte bien y retourner cette semaine pendant mon congé. C'est vraiment une addiction, là. Faut me contrôler. Pis là, ça va être comme le premier Halloween qu'on a à la maison ici. Pis on a comme un... des escaliers en avant de la maison, chose que je n'avais pas à notre autre maison qu'on avait avant de déménager ici. Fait que là, on dirait que j'ai comme une idée en tête, là. J'ai vu plein d'affaires Pinterest, puis j'ai vraiment un concept en tête que je veux faire avec des chrysanthèmes d'automne. Je suis rendue botaniste. Non, mais bref, j'ai vraiment une idée en tête, là. Je vais essayer de vous mettre une photo là, pour vous montrer ce que je veux faire ou ce qui m'inspire, en fait, là. Puis j'ai trop hâte, je capote là. Je sais pas comme c'est quand la date qu'on a le droit de décorer pour l'automne puis que ça a pas l'air con, genre. Moi je me dis genre fin août, c'est pas super. Oh! On a un petit chien qui est. Ça va, ma chien? Ouais, je sais pas c'est quoi. Il y a du mouillé à terre. C'est vraiment bizarre. Il y a comme une petite trace de mouillé à terre, mais le plafond il est top shape là. Il n'y a aucun dégât d'eau, rien. Ben oui. La maison est neuve. Ben 9, 2017. Je suis désolée, là, c'est gênant. En bas, c'est le bordel. On a quand même 3 étages ici, puis je vous dirais que l'étage ici, considérant qu'on ne vient presque jamais, elle n'est vraiment pas priorisée dans le ménage. Faudrait que je m'y mette un beau jour. Là. Mais bref, je vais vous montrer mes décos. Bon, là, je sais pas, c'est le bordel dans cette salle-là, ok? Il y a comme toutes nos canettes vides.
notre passé d'alcoolique, que je vous jure, on boit presque plus, ok? J'ai acheté cette couronne-là, en genre de blé, pour mettre dehors. Je la trouve tellement belle, là. Je capote bien raide. Puis elle était pas chère, là. Elle a genre coûté, je pense, 24$. Je n'avais vu une pareille, genre carrément pareille au Simons. Elle était 75$. Genre, je comprends pas, c'est genre... J'ai buggy. C'est genre le triple, là. En tout cas, bref. Fait que j'ai vraiment hâte de la mettre devant ma porte. Vous me direz en commentaire, c'est à partir de quand là, qu'on peut décorer pour l'automne puis qu'on n'a pas l'air fou. Parce que je vous jure que j'y pense de le faire très bientôt. En dessous, c'est comme d'autres décorations, mais ça, c'est plus Noël. Mais ça aussi, c'est une couronne que j'avais achetée pour l'automne. Mais elle, je pense que je vais la mettre sur mon autre porte. Ma porte en arrière, genre. Ouais. Ouais, parce que celle-là vient de gagner... le prix de beauté numéro 1. Bro, c'est pas convaincu. Là, je sais, le plancher est horrible, mais c'est parce que mon chum game là-dessus, puis la chaise, elle s'effrite. Je sais pas si vous voyez, là, mais elle perd tout son noir, fait que ça fait ça. Il y en a plein partout à terre. Faut croire que mon chum, il game très fort. Je pourrais pas vous donner d'autres explications. Voici ce que j'ai acheté d'autre. C'est comme des paniers en genre de... tôle, si on peut dire ça comme ça. Il y a ces bandes-là que je sais pas si je vais les garder. Je pourrais facilement les enlever, là, on va voir. J'en ai pris 3 parce que je veux en mettre genre un... je m'excuse, il y a des boîtes qu'on n'a pas défaites encore, c'est gênant. Un en haut à gauche, un au centre, puis un en bas à gauche aussi. Fait que avec les chrysanthèmes d'automne, c'est ça que je vais mettre des fleurs dedans. En tout cas, j'ai comme une idée en tête, là. Je vais vous montrer ce à quoi je pense. Puis j'ai acheté des petites citrouilles décoratives là, pour à l'intérieur de la maison. Fait que j'ai acheté celle-là qui est comme couleur bois beige pâle, genre. Ensuite, j'ai acheté celle-là qui est plus orangée. Je la trouve trop belle. Je trouve ça tellement beau. Puis ils fit bien ensemble. Genre, je voulais faire un trio, genre. Puis j'ai pris une petite blanche comme ça aussi. Fait que les trois ensemble, je pense que ça va faire beau. Ça fait comme doux. Je trouve. Je voulais pas comme. J'aime pas ça les choses comme trop dans ta face, là, genre, tu sais, orange foncé, pis tout, là. Fait que je me suis dit que je prendrais des petites choses plus délicates de même. Fait que voilà. C'est ça mes achats. Il risque d'en avoir d'autres très prochainement. J'ai trop hâte, là. J'aime tellement ça aller chez HomeSense. Juste pour ça, là, je suis capable de bien. Fait que tout vient de là, là. Les citrouilles, les boquettes. En plus, ça, c'était en spécial. Il était vraiment pas cher. C'était comme de leur collection d'été. Je pense qu'ils prennent ça pour mettre les bouteilles ou les choses pour aller dehors là, quand tu vas manger. En tout cas, peu importe. Ils sont quand même creux, là. Ce matin, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais je me suis réveillée avec un énorme mal de dos, là. J'ai l'impression d'avoir 65 ans, pour vrai. Je comprends pas. Genre, limite, j'avais le dos qui barrait, là. Je me suis levée, j'avais de la misère à me lever complètement. Assis, j'ai mal. Couché, j'ai mal. Je sais plus quoi faire, là. J'ai pris des Robax platine, là. J'ai tellement mal, là. J'ai jamais eu mal de même. Pour vrai, ça m'inquiète un peu. Parce que je sais que j'ai comme... dans ma famille, les dos, ça va pas top, là. Ma mère, je me rappelle, étant très très jeune, son dos barrait souvent, là. Genre, fallait qu'elle reste couchée au lit pis tout. Puis j'ai l'impression que j'ai hérité de ça. Mais c'est sûr que j'ai fait beaucoup de sport. Tu sais, le cheer, je l'ai fait longtemps. Puis c'est sûr que ça n'a pas été bon sur mon dos parce que ça a été long avec... on a eu des bons coachs avec une bonne technique. Fait que j'ai vraiment rattrapé des filles qui tombaient sur moi de très mauvaise façon pendant longtemps. Genre au secondaire. Fait que... ah, j'ai tellement mal, là. C'est l'enfer. Ça fait mal, genre... Je suis pas mal sûre que c'est encore la même place. Là. J'ai souvent des problèmes à la même place, puis c'est le carré des lombes. Genre, quand est-ce que tu entends parler de ça, du carré des lombes, toutes choses? J'ai tellement vu de spécialistes de même PD, des ostéopathes, des chiro, des physios, des massos, toutes les hauts. Puis ça a l'air que c'est mon carré des lombes qui est scrap. Puis là, on dirait que c'est bien là que j'ai mal. Là. C'est comme pas loin de où est-ce que ta brassière elle arrive, là, l'espèce de bande qui serre. Là. Bref, fait que moi, en plus aujourd'hui j'étais motivée, là, je voulais passer la tondeuse, arracher les mauvaises herbes parce que là on a comme une recrudescence de mauvaises herbes, il y a plein de pissenlits. Bref, je sais pas si je vais réussir. Là. J'ai pris mes Robax, ça va déjà un petit peu mieux, j'ai un petit peu plus de mobilité, mais c'est vraiment pas top. Fait que à suivre. Puis faudrait aujourd'hui que j'aille à la Banque Nationale, mais c'est tellement poche aller là. Parce que j'ai perdu ma carte débit. Quand même important, là, il faudrait que j'en ai une nouvelle, tu sais.
Parce que c'est pas pratique, pas avoir de carte de débit, puis pas savoir où la tienne quand il y a un pays passe dessus. S'il vous plaît, n'utilisez pas mon argent, j'en ai besoin. On a un chien qui ronronne. Oui, qui ronronne, c'est ça que tu fais. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, fait qu'on va essayer le presse tofu. Fait que j'ai sorti un bloc de tofu, là, ben normal. Ça, si je me trompe pas, c'est le tofu du Costco qui se vend comme en pack de plusieurs paquets. Là, je vais faire attention, là, il y a beaucoup de... Ah, vous pouvez pas voir dans le tofu. Je vais faire un dégât, je le sens. Mais il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de liquide, là, dedans, là. Faut que j'évalue. Pas que j'évalue. Voyons, je déparle, je te préfère un AVC. Faut que j'enlève le liquide, donc on va voir un petit peu. Ça c'est ça. Moi je commence anxieuse. Je sais pas si ça va être ça, c'est... Ah oui, ça va le faire. Ça va le faire, mais quoi que... Ok, ça gosse. J'expérimente. Là, je pensais que j'aurais pu enlever ça et après ça le mettre, mais en tout cas, il va falloir que je touche le tofu avec mes doigts. Je vais me laver les mains, ça sera pas là. Bon. Fait que c'est beau. En passant, je suis vraiment désolée de mon accoutrement, là. C'est parce que je vais sûrement aller passer la tondeuse. Puis je vais aller marcher brousse, puis c'est ça. C'est comme ça que je m'habille pour faire ça. Bon, ok. On déballe notre tofu. Et pas tout. Ok. Pis là, vu que ça va comme drainer du liquide, là, il va falloir que je le mette comme dans l'évier ou dans une assiette, là. Bon, pis là, faut comme serrer ça, là. Ah! Pour ça, ça va vite, là. Ok. Pis là, faut comme que je presse. Désolée, Bruce, t'es en train de boire. Ben voyons. Je l'ai quasiment pas serré, là. On voit déjà comme du liquide, là, qui sort. Ah, je sens que je vais aimer ce gadget. Mais là, attendez un petit peu. Je vais le mettre au-dessus de l'évier, là. Ok. On va le resserrer juste un petit peu. Il est pas serré fort, là. En ce moment, genre. Mais c'est donc bien nice. J'aime ça. Non, Bruce, c'est pas pour les chiens. Bruce. Bruce. Tu veux des jus de tofu, mon amour? Ouais. Ah, mais voyons donc. Mais là, je pense que je vais le presser comme graduellement. Eux, ils disent de le presser un petit peu plus aux 2 à 4 minutes. Ah, c'est malade. Voyez-vous ça, tout le liquide qui tombe? Je capote. Ouais, je pense que je vais leur serrer une dernière petite shot, puis je vais le laisser reposer ainsi. Ah ouais, là, ça commence à être plus dur, là. Je le sens, ça sent bien. Ok, bon. Puis, je vais le mettre. Je l'ai mis comme de côté dans l'évier. Pour que ça coule, tu sais. Je m'excuse, c'est vraiment le bordel, je vous l'ai dit, là. Faut vraiment que je fasse du ménage. Mais là, il fait trop beau. Fait que je pense que je vais faire ça, genre, à soir, quand il fera plus beau. Ben, il va faire beau encore, mais il va faire noir. En tout cas, comprenez. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Là, je vais le laisser dans l'évier. Ils disent un bon 15 minutes, puis essayer de resserrer les vis. Aux 2 à 4 minutes, mais je vais voir, là, je les ai serrés quand même pas mal, parce que je veux pas que le tofu fasse puis qu'il se défasse tout en morceaux non plus. Mais à date, je suis vraiment satisfaite, pour vrai. Parce que là, ça avait juste plus de bon sens, là. Mettre plein d'essuie-tout, puis des linges à vaisselle, puis ça, on sortait pas tout le liquide, là. Fait que bref, j'ai hâte de voir le tofu press! Puis là, je vais aller passer la balayeuse, la tondeuse. Parce qu'on est vraiment dû. Je sens que je vais regretter de passer la tondeuse à cette température-là. Mais faut que je vous explique. Je suis vraiment perfectionniste dans la vie, puis j'aime ça, passer la tondeuse. Je suis bizarre de même. Puis genre, j'aime ça quand c'est droit. Faut que je fasse des lignes droites. Faut que ça, c'est beau. Faut que je le fasse. J'adore ça. Je pense que je la passe plus souvent que mon chum. Même des fois, faut genre que je m'ostine avec parce que je veux la passer, puis lui aussi. Je suis bizarre de même.
Il y a un oiseau mort sur mon gazon. On va le ramasser. Ça arrive vraiment que les oiseaux, ils se cognent dans nos fenêtres puis ils meurent. Fait que, pourtant, ils sont pas si propres. Là. Ok, c'est parce que ça a comme pas de bon sens. Là. Il y en a un autre là. Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Puis regardez, en en retournant pour aller vers la poubelle, j'en vois un autre. Ça a juste pas de bon sens, là. Ça a vraiment pas de bon sens, là. Genre, il y a des suicides d'oiseaux sur nos fenêtres, je comprends pas. On se retrouve pour souper. Je voulais vous montrer ce que je mangeais. C'est tellement bon, là. C'est vraiment simple. C'est un genre de Buddha bowl, là, mais j'ai fait une petite sauce. Voyons. Mais là, c'est ketchup. Il y a du quinoa. On le voit pas, là, parce qu'il est comme enseveli sous une pile de légumes, là, mais il y a vraiment du quinoa. J'ai mis du poivron rouge, des brocolis cuits au four. Ça, c'est du tofu de l'Uni, tofu magique de l'Uni. Puis il y a des patates douces aussi qu'on ne voit pas. Qu'on distingue pas vraiment, en fait. Puis des edamame avec un petit peu d'oignon rouge. Bref, vraiment bon. Puis pendant que je mange ça, j'écoute avec Bruce, bien sûr, et son jouet qui n'est plus vraiment un jouet. Des vidéos sur l'Afghanistan. Ok, je suis vraiment bizarre, là, mais... J'essaie de comprendre ce qui se passe là-bas, puis tout. Puis je sais pas, là, je trouve ça pas intéressant, là. C'est juste vraiment triste, là. Mais en tout cas, on dirait que je m'intéresse à ça parce que j'essaie de comprendre, puis... En tout cas, ça me fait capoter vraiment la réalité là-bas. Là. C'est fou comment que tu réalises que d'un pays à l'autre, c'est comme tellement différent comme réalité. En tout cas, je comprends pas. Je peux pas concevoir ça. En tout cas, ça me fait capoter. Fait que là, j'écoute des plein de sortes de vidéos, là, genre dans la vie d'un taliban ou dans la vie d'une femme à Kaboul. Ou en tout cas, sur YouTube. Là. Au lieu d'écouter des vlogs, parce que je sais pas, ces temps-ci, il y a plein de monde. Y a... Bon, excusez, je voulais me mettre de face. Là. Ouais, je trouve que ces temps-ci... On est comme dans le temps, la période comme de la rentrée scolaire, puis on dirait qu'il n'y a plus personne qui fait des vlogs, là, genre, il y a au moins 5 YouTubers que je check qu'il se passe plus rien, puis tu sais, je peux comprendre, là, les filles sont plus occupées puis tout, mais je suis comme vraiment à jour dans les vlogs que j'aime écouter, là, genre, vraiment très à jour, fait que là, je sais plus quoi écouter, fait que j'écoute des vidéos sur l'Afghanistan. C'est presque similaire, tu sais, un vlog avec un haul Costco, puis une journée dans la vie d'une femme à Kaboul. C'est même combat, même combat. Bonjour! J'ai pas filmé hier parce que j'ai complètement oublié. Je suis vraiment de merde, là. Le Prince Tofu a vraiment bien fonctionné, là. Je suis vraiment satisfaite. Là, je regarde mon chum qui est dans le Tim Hortons puis qui se demande à qui que je parle. Comprend pas, il pense que je parle à quelqu'un, pis là, c'est ça, il est comme pas habitué encore que je vlog. Bon, fait que on s'en va au Saguenay aujourd'hui, on est au Tim Hortons, et là, on s'est levé plus tôt que ce que je me lève d'habitude, fait qu'on a un petit café, ouais, on s'en va au Saguenay aujourd'hui, voir ma belle famille. Puis on s'en va voir un couple d'amis là, qui sont là-bas. Fait qu'on va aller sûrement à la plage à Jonquière. J'ai bien hâte de voir. Là, on est avec Bruce. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il s'est recouché. Puis là, on vient de manger un petit wrap sans viande. Mais on s'est dit qu'on allait avoir encore faim pour la route qui nous reste. Parce qu'on vient juste de partir. On est genre à côté de chez nous, mais on voulait pas déjeuner avant de partir. On était trop lâches. Fait que Martin est parti nous chercher des muffins, mais là, ça fait genre au moins 10 minutes qu'il est en dedans. Je comprends pas, là. C'est pas facile, la vie en dedans. Bref. On s'en va à la plage, Mimi! On est en train de se baigner! La piscine! Oh! Ça, il comprend ça, ce mot-là. Piscine! Oh. Fait que je vais essayer de vous refilmer tantôt. Lance le bâton! Tu veux que je le lance? Tu peux là, faut que tu me le laisses! Tu
Tu me le donnes-tu? Donne. Mais faut que tu me le donnes. Ok. Tu ne donnes pas, mon chien. Elle est tellement niaiseuse. Ok. Allô? Allô? Non. C'est pas posant le chien, laisse à la place. J'ai tellement goût de le laisser aller, mais c'est posé. Instagram. Mon outfit of the day, c'est-à-dire la robe of the day pour moi l'été. Je suis tout le temps en robe. Fait qu'aujourd'hui, c'est cette petite robe-là. Désolée, j'ai me lever, là, j'ai comme une voix bizarre. c'est ma petite robe du woman, c'est qui est comme en portefeuille, là, qui s'attache de même. Là. Allez, je m'excuse, ça va bien. Aujourd'hui, on a une vilaine grosse journée. Faut qu'on fasse le ménage de la maison, qui est quand même pas si mal. J'ai d'ailleurs fait mon lit, comme vous pouvez le remarquer. faut qu'on fasse les planchers, les toilettes des deux étages, parce qu'on a des amis qui s'en viennent coucher à la maison. Des amis de Mont-Laurier, là, fait qu'ils sont comme à 5h30 de route de chez nous, fait que... On les accueille à coucher. je sais pas pourquoi j'ai la voix de même, je suis vraiment désolée. Faut aller en fait à la quincaillerie acheter des lumières parce que on a comme deux globes de brûlés dans la cuisine, fait qu'on va aller acheter ça. Faut qu'on ait magasiné le composite aussi pour notre projet de piscine. Il faut qu'on ait payé notre piscine, mais avant ça, il faut qu'on aille à la banque faire une traite bancaire. Ensuite, il faut qu'on aille faire une mini épicerie pour recevoir nos amis. Idéalement, on aimerait ça aller s'entraîner aussi à travers ça. Là, il est présentement 9h30 du matin, puis nos amis arrivent vers 5h ce soir. Fait que je sais pas si on aura le temps de tout faire ça, mais bon. À suivre, on va voir. Puis ça se pourrait qu'à travers ça, à tout moment, le gars des headsets arrive. On va souhaiter que ce soit pas aujourd'hui, là. Il était supposé venir à un moment cette semaine. Fait qu'on va souhaiter que ça ne soit pas aujourd'hui. Puis là, mes cheveux sont encore mouillés. J'ai dormi avec après ma douche, puis on voit mal, mais ils sont encore mouillés. Ici, là, dans le bout de plus épais, mettons, là. Je parle donc même bizarre, je suis vraiment désolée. Fait que là, faut chercher. Fait qu'on va aller chercher. On va aller chercher. Elles sont tellement longs, ça n'a même pas rapport. Je viens les faire couper, là. C'est ça le pire. Je viens juste les faire couper. Maudite chance. Bon, en tout cas, on va faire de quoi avec ça aujourd'hui, mais bon. Fait que voilà les plans de notre journée. À plus tard. Je pense que c'est notre marche de piscine. Puis notre thermopompe, ça va être ça. Finalement, j'en ai manqué. Ben, j'ai manqué de pot, mais j'ai eu trop de plantes. Fait que ceux-là, je les ai mis à part. Il va vraiment falloir que j'en trouve un autre pot, là, parce que là, c'est le pot de vente. Puis, je vais rajouter des citrouilles, puis du blé, puis du foin, puis tout. Mais pour là, ça va être ça, avec une belle petite couronne. Donc, je pense que je vais conclure mon vlog comme ça. J'ai comme filmé un peu n'importe quoi cette semaine, là. Je m'excuse, c'était vraiment décousu. Mais je pense que c'est mieux comme ça, là. C'est vraiment ce que je fais, là, ce qui se passe dans la vie. Fait que vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je m'excuse, je suis en top de sport. Il fait tellement chaud là. On est quoi? On est le 24? 25 à où? Aujourd'hui. Puis il fait genre 30 degrés dehors. Il fait chaud.
Puis, je vais recommencer un nouveau vlog demain, je suis pas mal sûre. Parce que demain, techniquement, Trivi vient livrer notre stock pour commencer les travaux de la piscine. Fait que ça va être vraiment nice. Je vais essayer de faire des vidéos, là. J'aimerais ça comme filmer comment ça se passe puis tout ça. Techniquement, le plus long échelonnage qu'ils ont, c'est 3 semaines pour faire tous les travaux. Fait qu'on va souhaiter vraiment fort que ça dure pas 3 semaines, mais bon. Fait que c'est ça. Fait qu'ils viennent livrer ça demain. Puis les travaux devraient commencer lundi. Demain, on est jeudi. Puis on a aussi là, une étienne qui est supposée se faire poser. Là, je vais vous montrer ça. En fond, on voit pas très bien, là, mais il y a comme une petite ligne orange là. Ça se trouve à être la délimitation là, pour mettre la étienne en arrière. Dans le fond, on en a déjà une. On voit pas. Là, ici, là. Puis on va en mettre une toute le long comme ça. Jusqu'au bord de la rue, là-bas. Fait que voilà. Prochain vlog, ça risque d'être des reno. Ben, travaux. Ouais, plus travaux. Hein, Bruce? Il y en a rien à foutre. Fait que je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon matin, une bonne nuit. Tout dépendant à quelle heure que vous écoutez ça. Puis on se voit dans un prochain vidéo. Bye!